vrai, de vrai, de vrai, j'abuse parce que je dois déposer quelqu'un à l'aéroport, mais j'ai vu un truc à Carrefour et je crois que c'est sur le chemin. Enfin, c'est genre un peu sur le chemin. Mais là, pourquoi c'est le seul jour où il y a de l'embouteillage comme ça? Merde, quoi! En vrai, c'est genre super abusé parce que je me suis garé dans la route, mais voilà quoi. C'est désert, oh my god! C'est trop cool, il y en a encore, donc c'est juste pour prendre ça en fait. Je sais pas ce que c'est, j'ai grave envie d'essayer. Dis donc, je crois que ça a été l'achat high-tech le plus rapide de l'histoire de l'achat high-tech du coup. Et juste là, ce micro, on va voir ce que ça donne, mais d'abord, hop, direction l'aéroport. Étant donné qu'on est arrivé à 14h58, on n'était pas en retard. Donc voilà, j'ai tout calculé. Non, en fait, c'était la merde. Bon, vous avez de la chance, je me suis dit, tiens, on va aller à Cour Périnon et du coup, on va aller à Game Cash. Ah oui, j'avoue bien un truc, on va parler de Cultura en fait, qui a ouvert en Martinique. Et du coup, ça, c'est censé être une boutique Cultura. Voilà. Ah oui, d'accord, ça a vraiment changé. C'est vraiment un Cultura. Je pensais que c'était livré antillaise rebadgé, mais c'est vraiment un Cultura. Oh, j'aime trop. J'aime pas les Playmobil d'iTunes, mais celle-là, elle est cool. Alors, est-ce que vous allez reconnaître c'est la voiture de quel champion de rallye? J'avoue, je connais pas. Ah, bah, il y a écrit. J'ai eu ma période Rubik's Cube, du coup, si vous en cherchez, là, il y a des vrais Rubik's Cube, enfin, Rubik's Cube, un Rubik's sans sticker. Alors, il me semble que l'original, c'est celui-là. Après, je sais pas pourquoi celui-là est Advanced Rotation. Pourquoi? Je sais pas. Ce rayon me déprime parce qu'il me rappelle juste que j'ai pas terminé mon tableau. Mais c'est cool, il y a de l'acrylique, la gouache, des chevalets. Franchement, j'habiterais un appartement plus grand. Tu vois, je prendrais un chevalet. Je prendrais une grande toile. Je sais pas vraiment laquelle. Ah putain, il y a des toiles en plus, c'est trop bien. Oh. Tu vois, je prendrais une toile. Elles sont pas chères en plus. Tu vois, il y en a 7,50 et tout. Oh, franchement, 5,75. Franchement, elles sont pas chères les toiles. Et je pense que si vous aimez tout ce qui est art. Putain, il y a tous les crayons avec les dégradés de couleurs. Je pense que si vous aimez bien tout ce qui est beaux-arts, là, vous avez vraiment de quoi faire et à des prix vraiment raisonnables. Je trouve ça cool de voir ça en Martinique parce que, franchement, là, bon, il y a Esquisse en ville qui vend. Après, c'est une petite librairie et je conseille pas non plus de l'abandonner parce que, bon, ça fait des années qu'elle est là et qu'elle a besoin de vous. Mais si vous cherchez la peinture et tout, en gros, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a même des mini, mini, mini chevalets à 2,50 €. J'ai presque envie de le prendre, mais je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Putain, j'y crois pas, il y a un puzzle de Fortnite, c'est nul. Bon, pour ceux qui comprennent pas, j'ai un pote, son pseudo c'est Fortnite, c'est nul. Et en fait, son avatar, il a réussi à faire la Joconde avec sa tronche dessus. Je ne demandais pas d'explication, c'est comme ça. Alors si vous faites de la vidéo, il y a des petits kits influenceurs, ça peut être très pratique, la ring LED avec le téléphone. Et bon, les mini comme ça, je conseille moi, voilà, t'as 25 €, franchement 25 €, prenez une ring LED assez grande comme ça, ce sera déjà un très très bon début. Sinon, curieusement, il n'y a pas de rayon de jeux vidéo, par contre ils ont un rayon manga qui m'a l'air pas trop mal, avec, bon après c'est des classiques, hein. Du Fairy Tail, du My Hero Academia, du Naruto Shippuden, le film en manga. Je savais pas que ça existait. Pas du tout. Et ça, c'est cool. Ah, il y a aussi la grande aventure Pokémon, le coffret complet. Ça a l'air cool. Mais bon, je veux dire, pareil, il y a. Il
y a de quoi faire au moins sur les classiques. Ah, Arslan, putain, j'ai acheté le jeu sur ma console en promo sur PS4. J'ai rien compris au jeu. C'est un musso, j'ai rien compris. Hey, j'avais acheté au Japon ces mangas Splatoon. J'avais le numéro 1 et le numéro 2 en fait. En japonais. Écrit en japonais d'ailleurs. En hiragana, katakana et en kanji. C'est super marrant à lire. C'est marrant, ils ont pas dans l'ordre. Du coup, c'est un peu bizarre. Parce que 1 2 3, je sais pas. Il y a un manga Danganronpa. Oh, j'ai envie de le prendre. Oh, j'avoue, c'est beau gosse. Il y a 908 pour info, mais c'est cool. Quelqu'un connaît Ochinoko? Je sais pas ce que c'est, ça m'a attiré 35 secondes. Ça a l'air d'être un shoujo, non? Je ne sais pas. Si, c'est dans les soaps tout ça. Ah, c'est trop bien en fait, il y a plein de types de piles aussi si vous en cherchez. Ouais. Vous en avez ici. Frère, parmi tous les trucs qu'il y avait, donc j'ai vraiment acheté un livre dont l'histoire se base sur des toilettes, un esprit dans des toilettes, tu vois. Et je me suis dit, c'est très bien, c'est ce que je veux. Tiens, il y a de la nouveauté chez Game Cash, regardez. Une figurine de Sasuke. Elle est magnifique, elle est immense. Et elle est en vente là, dès maintenant là, vous pouvez venir, vous pouvez la voir. Là, vous la voulez aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez directement la voir, elle est magnifique. J'ai de quoi vous faire des unboxings pour les années à venir. Non, j'exagère. Mais je cherchais quand même, parce que je sais que vous adorez les unboxings, et je cherchais des petits objets à unboxer. Et là, je pense que j'ai trouvé pas mal de trucs. Et il y a des trucs qui vont vraiment, vraiment vous intéresser. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais un petit tour comme ça, là, que vous voyez derrière à quoi ressemble. Donc, c'est le centre commercial Cours Périnon, qui se trouve au plein milieu de Fort-de-France. Et c'est vrai qu'ils ont de très jolies fresques, comme vous pouvez le voir. Derrière moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi.
et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Hep, vous aurez pas plus pour le teasing. Le reste, ce sera plus tard.